Bonsoir à tous, bienvenue à Brøndby, bienvenue au Danemark pour cette cinquième journée d'Europa League qui continue entre Brøndby et l'Olympique Lyonnais, largement leader de son groupe. Alors, le classement, et quoi qu'il arrive, Lyon sera toujours premier de son groupe avec 12 points. Alors que le Sparta Prague et les Rangers sont à 4, sont deuxième et troisième à 4 points. Brøndby, bon dernier avec 2 points. Lyonnais seuls qualifiés du groupe A. Les Lyonnais, quoi qu'il arrive, seront premiers de ce groupe. Même s'ils perdent ces deux derniers matchs, il n'y a plus de suspense dans ce groupe. Lyon est assuré d'être premier et jouera directement les huitièmes de finale de l'Europa League. Ce qui fait extrêmement plaisir. En quelques secondes, les compositions des deux équipes, avec notamment de nombreuses rotations du côté lyonnais, c'est normal. Les meilleurs joueurs, il y en a bien sûr, mais Abruzzi est sur le banc, c'est normal. Il n'y a plus aucun risque dans cette phase de poule pour les Lyonnais qui sont qualifiés et assurés d'être premiers jusqu'à la fin. La composition de Brøndby avec Hermansen dans les buts. En défense, Engheim, Maxo et Tchiembe. Au milieu, Radosevic, Bruce, Eviros, Frendrup et Greveux. Et en attaque, Edlund et Oure. Et la composition de Lyon, Lopez évidemment dans les buts. En défense, Adrique, Lukba, Da Silva et Gusto. Au milieu, Cherki, Keita, Mendes et Kadewere. Et en attaque, Slimani et Dembélé. Carl Toko Kambi, le meilleur buteur, est sur le banc, je vous l'avais dit. Mais c'était pas si grave que ça. Et c'est parti pour ce Brøndby-Lyon. Quoi qu'il arrive, Lyon, et je sais, ça fait beaucoup de fois que je le dis, mais je le répète dès la fois. Quoi qu'il arrive, Lyon est assuré d'être premier du groupe A et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Alors que tous les autres vont lutter pour arracher la deuxième place. Avec où Radosevic. Edlund, Radosevic contré, Oureux, hors-jeu, et non, pénalty. Et pénalty pour les Danois. Ah, c'est pas possible, ça pouvait pas plus mal commencer que ça. Cette rencontre pour les Lyonnais. Certes, ils ne risquent rien, mais ça fait quand même mal de se prendre un pénalty d'entrée de jeu. C'est assez surréaliste surtout. Et c'est Oureux qui va s'en charger de ce pénalty. Et c'est dedans. Bien sûr. Brøndby qui, eux, ont un coup à jouer en cas de victoire qui pourrait arracher la seconde place. Mais attention, le match va être plié, messieurs. Certes, le penalty va faire parler. On pourra pas dire qu'il soit mal tiré, ça c'est pas possible. Lopez est prêt contre pied et ne peut rien faire sur ce coup-là. Il célèbre déjà les Danois alors que le match est loin d'être terminé, ce n'est que le début. Donc ça fait déjà 0 pour Brøndby. Les Lyonnais déjà pas au dos mur parce qu'ils ne risquent plus rien, mais déjà menés. Mais ce sera sans conséquence. De toute façon, Dembélé, Slimani, Dembélé et qui résiste à Tchiembe, Radosevic, Edrique, n'importe quoi, pardon. Keita, Mendes, la frappe de loin qui passe au-dessus pour Thiago Mendes. Et oui, Lyon, on va pas se laisser faire comme ça non plus. Mais quand même les Lyonnais qui doivent faire attention à leur occasion et essayer de les concrétiser le mieux possible, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Maxo, Egaim, Tchiembe, Riveros, Greveux, Oureux, oh, Greveux encore, Edlund, Bruce, ça fait déjà 2-0 pour Brøndby. Eh ben oui, ils ont raison, ils continuent, les Danois. Ils continuent sur leur superbe lancée. Ça fait 2-0 déjà pour Brøndby.
Ah, Lyon n'y est absolument pas dans ce début de match. Je crois bien que ça se voit. Lyon n'y est tout simplement pas. La défense à la rue. Et Lopez qui ne peut pas faire grand-chose tout seul. Et donc voilà, Lyon malmené. Et l'hécatombe continue. Ce soir pour les Lyonnais. Slimani, Keita, Slimani, Mendes, Enrique, Cherki, Enrique, Keita, Mendes, Slimani, Dembélé, Keita, Slimani, Slimani de loin! Et là, par Adermazen, enfin la première grosse occasion lyonnaise dans cette rencontre. Mais détournée par le gardien danois. Il n'est pas être fier de lui, là, le gardien de Brøndby, parce qu'il a eu sur un arrêt des grandes, deux grandes classes. Cherki. Et ballon finalement perdu. Il est dégagé très rapidement, Radosevic. Et le tacle raté, ça peut suffire pour eux. Qui part tout seul. Pour eux, Bruce, encore, qui était encore seul. Radosevic. Fredrup. Bruce. Fredrup, Radosevic. Et ça ne passe pas. Bonne défense du côté lyonnais, une nouvelle fois. Slimani. Dembélé. Là, il est tout seul. Cherki, il peut y aller. Ryan Cherki. Il y a du monde à la surface, le centre! Et la reprise! Et le but! Islam Slimani, enfin la réponse lyonnaise! Les Lyonnais enfin se réveillent et ça fait 2 buts à 1 maintenant! Enfin les Lyonnais vont peut-être se remettre à leur niveau ce soir parce que depuis les 20 premières minutes, ça n'était pas le cas. Il aura fallu seulement deux énormes occasions pour que Lyon enfin revient dans le match et Slimani complètement oublié pour la défense. Et là, Herbacen qui n'était absolument pas en position de faire quoi que ce soit pour aller chercher ce ballon. Et le match est donc désormais relancé avec cette réduction de l'écart des Lyonnais après 20 minutes de souffrance. Et les Lyonnais vont peut-être enfin continuer sur le lancer et peut-être s'imposer, mais on n'est pas encore là. Pour ça, il faut d'abord égaliser. Mendes. Keita. Slimani. Ah, il a vu Dembélé, mais peut-être un peu tard. Et la barre. La reprise. Et l'égalisation. Dans la foulée. De Thiago Mendes. Et bien voilà. Et on aura ce fil de deux occasions. Enfin, 4, enfin 3. Et Lyon revient. Dans le match, égalité de partout. Voilà, ça c'est le Lyon qu'on connaît. Ça c'est le Lyon qui nous fait rêver depuis le début de cette Europa League. Et là, ça va mieux pour les Lyonnais. Qui enfin se mettent à leur niveau. Et Thiago Mendes, une tête pas puissante, mais qui rentre quand même, puisqu'il n'y a personne dans le but, il est vide. Et donc ça fait de partout. C'est peut-être un petit peu trop célébré. Célébré un peu vite, les joueurs de Brøndby. Se sont fait punir 20 minutes plus tard par les Lyonnais. Et ça fait désormais de partout. Et on est là au moins. C'est assez logique. Quand on connaît le niveau des Lyonnais. Attention, mais Coureux qui a peut-être recalmé les Lyonnais de la foulée. La reprise contrée. Frendrup. Edlund. Bruce qui est passé, le bon retour d'Edrique, me semble-t-il, pour empêcher le troisième but de Brøndby. Radosevic pour eux. Et non, c'est pour. Enfin, pas Emerson. Si, Emerson qui dégage. Bruce. Bruce toujours. Frendrup. Bruce. Frendrup. Greve. Frendrup. Bruce. Et l'interception de Gusto, impeccable. Kadewere. Oula, il a failli manquer son contrôle. Il n'y avait personne pour le gêner. Kadewere. Mendes. Dembélé. Slimani.
On cherche Jerky, c'est bien défendu par Ibero, c'est Radosevic. Où est de l'aune, il est tout seul. Et parfaitement lancé, la parade de Lopez. Enfin le premier arrêt. Le premier arrêt important du gardien portugais. Edlund complètement oublié par la défense. Heureusement, Tony Lopez dit non et dégage le ballon. Et corner à suivre pour Brøndby. Il me semble bien que c'est le premier corner du match. Et pour les Danois. Le corner dégagé. Tshembe. Maxo. Et non, c'est finalement un ballon perdu par les Danois. Mendes. Dembélé. Cousteau. Cadibré. Cousteau. Mendes, Cadibré, Dembélé, Slimani, Keita, Cherki, il est tout seul, Cherki, contré. Le bon retour de la défense de Brøndby, alors qu'on est déjà entré dans les 5 dernières minutes de cette première période, et deux partout. Contre Brøndby, Loël, attention, le bon ballon pour Bruce. Un bon coup à jouer, certainement, pour Brøndby. Frendrup, et la parade encore, dans Donny Lopez. Là, ça se voit que Lyon remonte en 6 niveaux. Les attaquants sont là. Et le gardien aussi. Superbe plongeon d'Anthony Lopez. Et déjà deuxième arrêt plus qu'important du gardien portugais. Il est furieux sur ses défenseurs. Ça fait 2 fois qu'il sauve les meubles lui tout seul. Et bien, on se voit qu'il est là, Anthony Lopez. Le corner au deuxième poteau. Mais c'est pour Anthony Lopez de nouveau. Il sort le match des grands soirs. Lupa. Mendes. Kadewere, parfaitement lancé, Kadewere sur ce coup-là. Dembélé, Mendes, pour Mendes qui a vu Slimani, ça passe au-dessus. Pour Islam Slimani qui cherchait son doublé, et bien ce ne sera pas pour tout de suite. Peut-être un peu trop de puissance dans cette frappe, c'est certainement. Il s'en veut Slimani d'avoir raté cette occasion, il le sait. Ils auront eu l'occasion de repasser devant. En tout cas, ça va permettre aux deux équipes de souffler. La mi-temps n'est toujours pas sifflé. Alors, ça y est, enfin. La mi-temps ici à Brøndby et deux partout. Entre Brøndby et l'Olympique Lyonnais. Le Lyon qui avait très très mal commencé son match. 20 minutes de souffrance. Mené 2-0. Et finalement revenu dans les 10 minutes, dans les 5 minutes, dans les 20 minutes. À partir de la 20e minute, Lyon est revenu à deux partout. Et ça va beaucoup mieux depuis. La 20e minute pour les Lyonnais. Et c'est parti pour cette seconde période de ce Brøndby Lyon. Pas de changement à la pause. Peter Bosch le sait, ses hommes sont déjà qualifiés depuis la quatrième journée. Il n'y a plus de suspense dans ce groupe. Mais en tout cas, il y a du suspense dans le groupe, mais pour les autres, pour Brøndby. Pour Brøndby, les Rangers. Brøndby, les Rangers, c'est évidemment le Sparta Prague. Excusez-moi. Kadewere, ça ne passe pas. Bonne défense des Danois. Attention. Ramassène qui joue un peu avec le feu. La relance ratée. Interception des Lyonnais. Lugba. Henrique. Keita, Da Silva, Gusto, et la passe ratée, le ballon, et l'interception d'Henrique, qui a failli perdre le ballon instantanément, mais ça n'a pas été le cas. Lugba, Cherki, Keita, non, ballon perdu, passe complètement manqué, interception facile pour Brøndby, Greve, Edlund. Excellent ballon pour Bruce, la passe en profondeur, et c'est trop fort. Touche pour les Lyonnais. Mendes.
Enrique. Oula, Mendes qui évite la touche de justesse. Lopez. Busto. Da Silva. Lugba. Da Silva. Lopez. Da Silva. Attention Lopez. Le 1-2 qui fonctionne, mais il ne faut pas non plus faire les malins. Voilà. Lopez qui a compris qu'il préfère dégager et qui trouve un partenaire en plus. Keita. Mendes. Calibré. Cousteau. Mendes. Keita. Slimani. Dembélé. Slimani. Mendes. Slimani. Dembélé. Keita. Dembélé. Oh, il aurait peut-être dû y aller. Ousmane Dembélé. Mendes. Slimani. Voilà, t'as le date pour Dembélé les trouver. Kadewere, Mendes, Slimani, qui trouve Dembélé, la passe trop longue et interception. Oh, attention! Erbassen qui réussit à se dégager. De justesse, Edlund. Radosevic, parfaitement lancé. Il n'a plus qu'à foncer au but, mais le bon pressing lyonnais est là. Et le retour de Caio Henrique, me semble-t-il. Cherki, Henrique. Lugba, Slimani, Dembélé, attention à ce ballon perdu bêtement par les Lyonnais, Edlund, Bruce, Fredrup, Radosevic, le centre contré et corner pour Bondby, et peut-être des changements à suivre, non pas pour l'instant, alors si, mais c'est juste que on a beaucoup de temps de donner la formation, donc ça va être compliqué de le savoir. Non, pour l'instant, on va jouer le corner, j'ai la pression. Alors, va-t-il y avoir un changement, oui ou non? Et bien sûr que oui. La sortie de Keita à l'entrée de Lucas Paqueta en fait rentrer des joueurs types depuis le début de l'Europa League. Maintenant, on peut comprendre qu'il soit mis de côté parce que, de toute façon, Lyon ne risque plus rien dans cette phase de groupe. Le corner et la bonne sortie de Lopez. Empêcher le troisième but du club danois, Mendes. Cadébré, hors jeu. À mon avis, ça va se jouer à pas grand chose. Oui, hors jeu n'est pas si évident que ça non plus. Pourtant, il avait l'air d'être couvert par son adversaire direct. Et trop tard, l'arbitre a sifflé coup franc. Bruce, Fredrup, Dembélé, Slimani, Dembélé, Kadewere, Mendes, Slimani, oh Slimani de loin, ça passe au-dessus, pour Slimani qui le veut, son doublé, il le veut absolument, et peut-être... Et la frappe un petit peu manquée de la part d'Islam Slimani. Peut-être mauvaise position au moment de sa frappe. En tout cas, ça fait toujours de partout. Entre Bondby et l'Olympique Lyonnais. Et pour son temps, Hermansen. Hermansen qui pour son temps. Il le sait parce qu'il a promis que son équipe prenne le troisième but. Parce que là, ça peut être l'élimination pour Bondby. L'Europa League, parce qu'il y a encore Sparta Prague et les Rangers qui jouent leur survie. Attention à la frappe de loin, et directement dans les gants de Lopez. Et le dégagement de Lopez qui trouve à Lyonnais, Paqueta qui touche enfin son premier ballon après être entré. Dembélé, Slimani, Enrique, Cherki, Paqueta, Dembélé, pour Dembélé qui aurait pu y aller. Et maintenant la défense est bien revenue et finalement ballon perdu. Bonne défense de la part des Danois. Fredrup. Pour eux. Pour l'excellent ballon pour Radosevic, il est tout seul. Il y a du monde surtout dans la surface. Et le petit lob pour Gusto.
Da Silva pour le centre et la parade encore de Lopez. Elle est importante celle-là. Va empêcher la victoire de Brøndby. Lopez est encore là. On va tout de suite passer au changement. Et la sortie de Thiago Mendes, c'est l'entrée. Tous ces bavards. Déjà le deuxième changement pour les Lyonnais. Le corner dégagé. Et ballon finalement en plus récupéré par les Lyonnais. Donc ils s'en sortent plus que bien. Cherki. Cherki toujours. Enrique. Slimani. Paqueta. Paqueta toujours. Enrique. Paqueta. Enrique. Les deux Brésiliens qui combinent à merveille. Cherki. Paqueta qui ne peut pas se retourner. Il a toujours le ballon. Il trouve Enrique. En retrait. Paqueta. Aouar. Dembélé qui peut frapper. Dans les bien. Et la frappe de Cherki. L'arrêt. Termansen. Et corner à suivre pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui poussent dans cette fin de match pour l'arracher. Les 3 points. Qui serait juste du bonus en fait. Parce qu'ils auraient quand même 15 points en cas de victoire les Lyonnais. Ce qui serait assez énorme. Déjà qu'ils sont 12 points. Et ils ont 11 points d'avance sur tout le monde. Donc avoir 14 points ce serait encore mieux. Alors qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, il y a un changement oui ou non? Parce qu'on attend. Enfin, merci. La sortie d'Oriane Cherki, l'entrée de Xherdan Shaqiri. Pour les deux dernières minutes à jouer. On attendait l'entrée de Shaqiri. Et là, voilà. L'attaquant suisse. Qui a débrouillé pour le corner Shaqiri, justement de la tête. Ça passe au-dessus. Et oui, là, Shaqiri qui va juste rentrer. Qui a déjà l'occasion, mais elle est complètement manquée. De la part du Suisse. Ah oui, je me demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il a raté cette occasion. En tout cas, c'est sans conséquence. Attention, c'est pas terminé avec Slimani. Et donc, il n'a pas pu faire grand chose. Bonne défense, une nouvelle fois du côté des Danois. Crève. Alors que le temps additionnel est dépassé. Radosevic, l'arbitre continue de laisser jouer. Radosevic. Fredro pour le bon ballon pour Greveux. Brousse. Fredro, Brousse. Ouvre et tout seul. Et bien voilà. Quand l'arbitre ne fait pas son travail et laisse traîner. Et bien voilà, ce premier but. Qui aurait pu largement être évitable. Et ça fait 3-2 pour Brøndby qui va s'imposer. Ce sera là, c'est la première défaite des Lyonnais en Europa League cette saison. Il faudra m'expliquer pourquoi l'arbitre a laissé jouer aussi 3 minutes supplémentaires. Alors là, c'est incompréhensible. C'est surtout gratuit. Je suis sûr que si ça avait été le contraire, il aurait sifflé immédiatement. Alors là, c'est assez incompréhensible. Voilà qu'on perdre un match alors que ça aurait dû être terminé. Mais là, bien forcément que c'est fini. Et Brøndby s'impose 3-2. C'est une fin de match qui risque de faire parler. La traditionnelle largement dépassée, mais l'arbitre n'en a rien eu à faire. Il a laissé jouer et au Brøndby en a profité. Et est allé arracher le but de la victoire. Grâce à Michael Houreux. Et donc ça risque de faire parler. Donc voilà, on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour les 6e journées d'Europa League et de Champions League. C'est une bonne soirée. Et à dans deux semaines. Salut à tous!